Vous avez été nombreux en cette fin d'année, et vous l'êtes toujours, à aller au cinéma voir le dernier film de Terrence Malick, Une vie cachée. Film magnifique avec des paysages absolument extraordinaires du Tyrol, petit village du Tyrol où se situe l'action. Vous pouvez accompagner, si vous souhaitez aller un peu plus loin, cette vision du film par la lecture de ce petit livre publié par Bayard qui s'appelle « Être catholique ou nazi ». Ce sont les lettres bouleversantes que Franz Jägerstätter, le personnage principal du film, a envoyées à sa femme pendant qu'il était incarcéré à Berlin avant d'être exécuté en 1943. Beau personnage, béatifié par Benoît XVI, simple paysan qui a senti en lui l'instinct de résistance. Je ne sais plus quelle critique faisait remarquer que l'un des plus grands philosophes de notre temps, Heidegger, avait été séduit par le nazisme et que lui, Jägerstätter, simple paysan du Tyrol, avait senti en lui que cette doctrine était contraire à l'amour de Dieu. Magnifique découverte.